Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui change un peu de d'habitude, puisque là je vous amène toute une semaine, enfin presque toute une semaine avec moi, voir tout ce que je fais. En fait, il y a beaucoup de vent dehors, du coup j'étais obligée de fermer la porte de ma cabane, mais mon chien veut rentrer. Enfin bref. Donc oui, si vous entendez du vent, c'est qu'il fait très très froid, il y a beaucoup de vent, ça souffle beaucoup. Mais du coup, je vous amène toute une semaine avec moi, vous montrer tout ce que je fais niveau YouTube, niveau poney, autre que simplement monter, puisque je fais quand même pas mal de choses liées autour du cheval. Donc on va commencer, on est mardi, donc mardi on est le 28. Je vous ai rien filmé hier puisque déjà j'ai eu l'idée de faire la vidéo aujourd'hui, donc une journée trop tard. Et j'ai juste été à la fac toute la journée, je n'ai rien fait d'autre. Là aujourd'hui je vais pas à la fac de la journée, donc bah ça me permet de faire des trucs poney. Donc là il est 13h18, j'ai fait plein de trucs ce matin mais qui n'avaient rien à voir avec le cheval. Et là je vais commencer des trucs équitation. Donc ouais, je suis toute décoiffée mais en même temps il y a tellement de vent, enfin bref. Donc là, objectif c'est ramener tout mon matériel d'équitation qui est dans mon sous-sol, dans ma cabane, puisque comme je monte le vendredi soir de 19h à 20h, je rentre, il est plus de 21h30, bah comment vous dire qu'il fait nuit et que je ne traverse pas le jardin pour ramener mes affaires d'équitation. Soit je les laisse dans la voiture, je les descends après, ou je les laisse dans le garage, mais au final je les ramène jamais là. Et là c'est le gros bordel, il y a un tapis là, je sais pas trop ce qu'il fait là, il devrait être sur son portant un tapis. Voilà, donc ranger tout ça, et j'aimerais bien vous filmer une petite vidéo aujourd'hui. J'ai aussi emmené un calepin pour pouvoir écrire des prochaines vidéos niveau matériel. Donc faut que je vois qu'est-ce qu'il faut que je prenne dans ma chambre pour filmer et qu'est-ce que je veux faire en fait. Donc voilà, je vais pas trop parler maintenant parce que sinon la vidéo va être trop longue rien qu'à l'introduction, et donc je vous emmène avec moi toute cette semaine. Ce matin j'ai mis une vidéo en ligne, c'est pas celle que je voulais mettre de base, elle c'était une vidéo de secours parce que j'ai perdu ma carte SD où j'avais deux vidéos de filmer dedans, dont celle que je voulais vous sortir aujourd'hui. Du coup hop, je baisse le son, j'ai pas eu d'autre choix que de vous mettre celle de secours, donc j'ai plus de vidéo de secours maintenant. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Ensuite, j'ai fini plus tôt que prévu aujourd'hui puisque c'est les grèves à cause de la réforme des retraites, du CAPES, des points pour les profs et je ne sais plus trop quelle autre chose. Du coup, je n'ai pas eu cours à 16h. Donc, en gros, j'ai fait midi 15h. J'ai fait midi 15h, j'avais 3 heures de cours. Ensuite, bah voilà. Et demain, je suis censée avoir cours le matin plus l'après-midi, mais... je n'ai pas cours le matin, il est annulé pour grève, du coup je vais y aller que l'après-midi de 14 à 18h. Donc voilà, avec les grèves c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir rattraper les cours par la suite. Et là ce soir, donc là je regarde un petit épisode de ma série, je vais manger et ensuite soit je bosse ou soit je fais un montage ou soit j'arrive à faire les deux si je me couche un peu tard. Mais comme demain j'ai cours qu'à 14h, je peux me lever plus tard, donc on va voir ce qu'on va faire, c'est parti. Thank you.
jeudi, je suis dans ma voiture parce que j'ai pas pu vous parler ce matin. J'étais censée avoir cours ce matin, mais à cause des grèves, j'ai pas eu cours. Du coup, je fais 14h-18h aujourd'hui. Alors, j'ai filmé une vidéo ce matin qui sortira d'ici, si on se trouve avant celle-là ou juste après celle-là. Voilà, j'ai toujours pas retrouvé ma carte SD, donc je suis un peu... Je suis déçue parce que du coup j'avais deux vidéos qui étaient super cool en plus dessus, donc flemme un peu de les refilmer. Donc à voir. Et du coup là je vais en cours. Je sais pas si je vous filmerai des petits passages ou pas, mais on verra. On se retrouve vendredi. Donc j'avais cours le matin, j'ai fait 10h midi. Et ensuite, le reste de la journée s'est pas passé totalement comme j'avais prévu. Parce qu'il a fallu que j'aille en urgence au véto pour mon chien. Mais voilà, donc là il est 17h, je suis rentrée depuis un petit bout de temps, j'ai bossé un petit peu et je vais aller me préparer tranquillement pour aller au cheval par la suite. Et du coup ce soir je vous emmène avec moi au cheval vu que c'est quand même le plus important pour vous de cette vidéo. Bon, je viens de rentrer dans ma voiture prête à aller au cheval. Il est 17h57, j'ai mis plus d'un quart d'heure à préparer mes affaires puisque j'ai pas monté depuis 15 jours et comme j'ai voulu faire du nettoyage, j'ai tout redispatché partout. Enfin bref, là je suis prête à aller au cheval et je vous retrouve une fois arrivée là-bas. Le samedi puisque hier c'était un peu compliqué pour vous faire des images au club, donc il n'y en a pas beaucoup. Et tout simplement, bon, ça s'est passé avant que j'allume ma cambox, mais je suis tombée. Voilà, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos à l'obstacle, tout simplement parce que j'ai sauté, j'ai fait la détente et à peine un début d'enchaînement parce que je suis tombée sur le dos et j'ai beaucoup trop mal. Donc voilà, j'ai préféré ne pas forcer dessus que de continuer à sauter pour dire que je saute alors qu'au final j'ai mal. Donc voilà, la jument n'a pas trop sauté, mais par contre elle était très sage à l'obstacle. Parce que là, du coup ça s'est passé la détente, ma chute. Mais là par contre elle a vraiment tout fait pour me dégager. Donc
Voilà, c'est le côté pas très cool de la séance. Mais sinon, du coup, je suis rentrée, j'étais dans un état tout plein de sable lamentable. Et à part prendre ma douche et me mettre au chaud dans mon lit, je n'ai rien fait parce que j'étais pas en état de faire quoi que ce soit. J'avais de base, je devais finir le montage de la vidéo pour qui sort du coup aujourd'hui. Mais je l'ai pas fait. J'étais censée le faire ce matin, mais je me suis levée et j'ai directement été en ville. Et du coup, là, je rentre, il est 15h15. Et il faut que je me mette à finir le montage. Bon, en soi, le montage est fini. Il me reste juste à mettre de la musique et à faire la voix off et à lancer la vidéo à charger. Donc, je vais faire ça maintenant. Vendredi, non, pas du tout, on est dimanche. Je suis dans ma sellerie. Je suis venue récupérer mon trépied que j'avais laissé quand j'ai filmé ma vidéo. C'était quand? Mardi? Non, jeudi, c'était jeudi que j'ai filmé ma vidéo. Donc voilà, je viens de récupérer parce que je vais filmer une vidéo, mais dans ma chambre. Que quand j'ai pas vraiment besoin de prendre du matériel, je vais dans ma chambre, c'est mieux. Au niveau du vent, il n'y a pas de vent, au niveau de la lumière et tout, c'est mieux. Donc voilà. Et je vais en profiter pour m'occuper de mes bottes, puisque j'étais censée le faire hier et que j'ai complètement zappé, mais vu que je suis tombée dans le sable mouillé, elles ont pas trop aimé. Donc il va falloir que je m'occupe d'elles. Et voilà principalement ce que je vais faire niveau cheval. Je continue en vain de chercher dans toute ma chambre ma carte SD. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle a pu être. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, du coup, filmer une vidéo avec mon trépied et s'occuper de mes bottes. Bon, je suis toute décoiffée là. Je viens de filmer ma vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira celle-là. Je pense pas tout de suite. C'est une vidéo débat pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc j'ai la petite vidéo sur la carte. J'ai aussi la vidéo que j'ai filmée du coup jeudi. Je sais pas encore si je vais la publier quand, donc soit vendredi, soit mercredi, si j'ai toujours pas retrouvé mon autre carte SD, mais je l'ai toujours pas retrouvée. Je la cherche partout, mais je sais pas où est-ce qu'elle peut être en fait, parce que là où je mets toutes mes cartes de base, où, enfin, je vois pas vraiment où est-ce qu'elle peut être, donc je continue de chercher. Mais enfin, en plus, j'ai deux vidéos de filmer dedans, mais c'est surtout qu'une carte SD, enfin, ça coûte cher et. J'aimais bien alterner avec deux, donc voilà. Parce que celle-là, c'est une 16 Go et l'autre, c'était une 32. Donc bon, voilà. Mais programme de la journée, du coup, vu que je ne sais pas si je vais retrouver les fameuses vidéos sur mon autre carte, je vais faire le montage d'au moins une de ces deux vidéos pour que j'en ai au moins une des prêtes pour mercredi. Ça serait quand même pas mal.